Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux, civils et militaires, qui ont donné leur vie pour nos libertés. De Monsieur Jean Bousquet, maire de Terrasson. Monsieur le député, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. Permettez-moi de vous dire ma satisfaction de vous retrouver ici, place de la Libération, pour célébrer notre fête nationale du 14 juillet, date symbolique de notre République. En effet, le 14 juillet 1789, les Français prirent la Bastille, cette prison où pouvaient y être envoyées des personnes de façon arbitraire, sur simple ordre du roi, par lettre de cachet. Par cet acte, les Français choisissent leur destin de liberté, d'égalité, de fraternité. Dans les jours qui suivirent la prise de la Bastille, les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, proclamèrent dans la nuit du 4 août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, qui remit fin à la féodalité de l'Ancien Régime. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Je n'ai bien sûr pas l'intention de vous lire les 17 articles de la Déclaration, mais je tenais à rappeler en particulier ces articles qui fondent la vie collective de notre nation. Dans la période particulière que nous vivons, après la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ne donne à aucune formation politique la majorité absolue pour gouverner, et alors que nous n'avons pas encore de nouveau gouvernement issu de cette dernière consultation électorale, il va être en effet
nécessaire de tenir compte de toutes les composantes et opinions émanant de la nation. Le message exprimé lors de ce scrutin, c'est une demande de justice sociale et d'autorité aussi, contre l'insécurité dont souffrent tant de citoyens et contre toute forme de déstabilisation de notre société. Cette société qui a toujours, malgré toutes les crises économiques et politiques vécues, su continuer d'avancer en faveur du bien commun. Le message, c'est aussi et peut-être surtout une demande de cohésion nationale face à nos divisions politiques qui ne nous permettent plus aujourd'hui d'envisager l'avenir sereinement. Une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. Ces mots sont d'Antoine de Saint-Exupéry, originaire du Périgord. Pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, la fraternité fut le maître mot de la fête de la Fédération qui s'était tenue à Paris le 14 juillet 1790, dans la continuité des fêtes fédératives dans les provinces de France. Ce jour-là fut le premier jour d'union nationale que connut notre pays. Et c'est aussi en mémoire de ce jour d'union patriotique et fraternelle que fut choisie la date du 14 juillet pour notre fête nationale. À ce moment-là, ou pour la première fois de notre histoire, l'ouvrier comme le paysan se tenait sur un pied d'égalité avec l'aristocrate et le bourgeois. On pensait que la Révolution était finie dans un sentiment d'unité et de dévotion à la patrie. Hélas, les royautés européennes de l'époque ne supportaient pas la Révolution française et se mobilisèrent contre elle. Chez nous, les mauvaises habitudes reprirent leur cours le lendemain de la fête. Dès le 18 juillet, l'exigence d'un uniforme pour la garde nationale, c'est-à-dire de limiter à la classe riche ou aisée, selon les mots de Michelet, la possibilité de servir en son sein, quand dans ces circonstances, on aurait pu se contenter d'un bandeau tricolore. La suite, nous la connaissons. Les idéologies extrêmes, matinées d'ambition personnelle, comme de luttes insensées pour le pouvoir, donnèrent lieu à la période de la terreur. Un gouvernement révolutionnaire, issu du comité de salut public et du comité de sûreté générale, qui s'illustrèrent surtout par l'utilisation massive de la guillotine, plus que pour l'épanouissement donné aux Français. Ces années d'instabilité ne cessèrent qu'avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte, le 18 Brumaire en 8, soit le 9 novembre 1799. Aujourd'hui, nous avons créé l'Union européenne, constituée de démocratie. C'est une grande aventure. Mais avons-nous enfin évolué vers la véritable fraternité, l'écoute républicaine, le respect et la prise en compte des opinions exprimées qui méritent d'être entendues? C'est en tout cas le vœu que je forme aujourd'hui à l'occasion de notre fête nationale, qui nous invite toujours, quel que soit le contexte politique, à l'Union républicaine. N'oublions jamais que notre République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Bonne fête du 14 juillet. Vive la République, vive la France, vive Terrasson-Lavilledieu. Je vous remercie.